là les boys, donc là on est parti pour Orival. Là je suis avec Ivan depuis l'année dernière à côté. Et là-bas dans la petite voiture de merde au fond, on a une Fiat 500 toute pourrie. Et bah c'est Baptiste et Grégoire. Ils connaissent pas le chemin et ils sont devant. Donc on va leur faire coucou. Vas-y Ivan, tu fais un gros doigt, ok? Donc là il nous reste près 16 km, on va aller retrouver Tommy Ride qui va nous faire découvrir le spot d'Orival, donc ça va être plutôt cool. Là, je suis obligé de faire une petite dédicace à mon pote Baptiste qui n'a pas vérifié la jauge d'essence. On est à peu près à 8 km du spot. Ouais, Louis, on n'a plus d'essence. Donc là, ils ont dû aller trouver une pompe essence en urgence. One eternity later. Comment va mon Troyen? Bah ça va, je me suis fait une belle petite chute en début de journée. Ah ouais? Quand ça? J'ai pas vu. Ah oui, je suis con. Ce PD prend mon vélo, sauf qu'en fait y'a pas de frein. Frein là? Les freins c'est ghetto. Mais ouais. C'est ghetto land. On board with Tom Ride. Petit shotgun comme ça là. Oui. Tu fais ça. Ah oui. Ah, c'est quoi ces techniques là de malade? C'est la technique à loulou quoi. Come on dude! Send it! Oh! Yes! Oh! Il y avait un trou! Il y avait un trou! Tu sais, je pensais que ça allait enrouler! Tu es sûr? Je sais pas si je vais faire le gap entièrement. Tu tapes, c'est pas très grave, hein, franchement. La marche, elle fait ça de haut. Ouais. C'est vraiment peanuts. Go! Ouais. Oh! Oh, un loup. Ghost. Putain, il est trop beau. On dirait un coyote même. Et va là-bas. Ah, propre. Oh, Ivan. Ivan. Ça fume avec la tienne, hein. C'est bon, ça fume, voilà. Ah non, j'ai cru qu'il l'avait tapé. Allez, donne tout. Donne tout, c'est la dernière. Yeah. Allez, le grec. Yeah. Vas-y, vas-y. Non. Go. Let's go. Oh non, on roule. Thank you.
suicide là. Putain, je me suis mis un chou à court. Et ben voilà, la journée se termine, genre, on a roulé clean chez clean, c'était archi top. Avec Tommy Ride et toute la petite bande là. Oui. Voilà. C'est bien de te retrouver. Ouais, après carrément, ça fait du bien. Ça fait 5 mois qu'il a pas roulé. 5 mois. J'en pouvais plus. Pour ça, je suis content d'avoir timité à l'égard. Parce que là, il y a un petit problème. Là, on a une voiture. Là, des bikes. Et en fait, on a les bikes qui sont, mais genre, archi crades, quoi. Voilà, pour donner un ordre d'idée. Ah, caca. Dégueulasse.